et l'on rentre ici entre les deux piles du portail. Il subsiste au fond la plus haute, la plus majestueuse, la plus hors norme de toutes ces villas de villégiature, le palais Sorrento, qu'on appelle aussi le casse-tête de la Raille. Avec ses proportions impressionnantes, le palais Sorrento fait face aux Pyrénées et domine le paysage. Il a été voulu par un banquier français qui a construit un véritable palazzo italien. Nous voici devant la façade sud du palais Sorrento. Avec ses diverses élévations, au premier étage, les fenêtres sont recouvertes de frontons très saillants. Le second étage est largement orné avec des bouquets renversés, des mascarons dans les angles des fenêtres. Nous apercevons un toit-terrasse qui est typiquement à l'italienne également. Une façade monoplan dans cette harmonie de classicisme et beaucoup de romantisme, surtout avec cette terrasse au premier étage en hémicycle qui est soutenue par ces quatre cariatides qui représentent les quatre saisons. Des chefs-d'œuvre réalisés par le sculpteur Paul Ducuin au tout début du XXe siècle. Exceptionnellement, les propriétaires ont donné à Caroline l'autorisation de pénétrer à l'intérieur pour faire découvrir la pièce maîtresse de la villa. Cet escalier baigne dans la lumière naturelle grâce à ses larges baies à chaque étage. Et cette lumière vient de l'ouest. Et le dernier héritier va rebaptiser ce palais Sorrento en casse-tête de la Raille, qui en béarnais veut dire le château du rayon de soleil. Des rayons de soleil qui se reflètent dans le marbre de Carrare de cet escalier entièrement blanc. C'est une réalisation parfaite dans les proportions, la légèreté de l'ensemble. De toute évidence, on a voulu étonner le visiteur, en mettre plein la vue et avoir le palais le plus richement décoré. Il a cherché le plus pur, le plus blanc, le plus cher. Et au lieu d'aller chercher les matériaux tout simplement dans les Pyrénées, où on trouve du marbre de toutes les couleurs, il est allé chercher le marbre en Italie.